La société Arcane a été en charge de la restauration des décors peints, notamment des quatre plafonds qui composent les décors de la chancellerie d'Orléans. Quand on a découvert les plafonds à Asnières-sur-Seine, lieu de stockage des décors après le 1923, après leur démontage, ils étaient en partie remontés. Par exemple, le plafond de Grand Salon était remonté comme à l'origine et il était composé d'un puzzle de 10 morceaux. On a eu tous les cas de figure sous la structure des plafonds. On a un plafond, le plafond de la salle à manger, qui a conservé, lors du démontage, la structure d'origine. On a le plafond du coipel du grand salon, qu'au moment du démontage de 1923, ils n'ont pas conservé la structure d'origine, mais ils ont recréé une structure de maintien par le revers, en bois. Et on avait le plafond du Duramont de la chambre à coucher, qu'en revanche, ils ont démonté sans sa structure d'origine. Et c'est nous qui avons recréé une structure de maintien de la couche picturale de l'enduit à un support contemporain en résine. Quand on a découvert la couche picturale, elle était complètement recouverte par énormément de couches de vernis et de repeints. Repeints qui se sont succédés pendant les restaurations d'aller siècles. Donc la couche picturale était très sombre. On ne voyait plus les formes, les nuances, les couleurs claires qui pouvaient être à l'origine. Le début de la restauration a consisté dans les analyses de la matière. Les premières opérations qu'on a réalisées, c'est les analyses scientifiques. Donc on a analysé l'état de la couche picturale et aussi sa technique d'exécution. Donc les infrarouges, par exemple, nous ont servi pour découvrir la façon avec laquelle les artistes ont peint. On a pu voir des changements de composition, la première idée de l'artiste qui après a été changée au fur et à mesure de la réalisation de l'œuvre. Et successivement à ça, une fois avoir établi un peu un protocole d'intervention et avoir compris la technique d'exécution, on a commencé avec les tests de nettoyage pour retrouver la couche originelle et pour dégager tout ce qui était matière superposée sous la couche originelle qui ne faisait pas partie de l'œuvre.